Donc, concernant la capacité des batteries, donc du coup on a plusieurs tailles. On a par exemple une 8.7 comme ici, et là par exemple c'est une 14.5. Donc voilà, on voit bien la différence en termes d'encombrement. C'est presque le double. En termes de poids aussi, c'est presque le double. Nous, c'est vrai qu'on aime bien avoir des petites batteries en général, assez compactes, parce que c'est plus léger en sensation, sachant que le moteur consomme un peu moins qu'un VE classique. On préfère avoir un truc plus léger au global et pédaler un petit peu plus afin d'avoir un truc plus fun à rouler, quoi. Donc les grosses ventes, c'est généralement la 11.5 et la 14.5. Moi personnellement, je roule beaucoup avec des très petites batteries comme des 8.7 ou des 5A, même la toute petite, pour une idée de poids embarqué toujours. Au niveau de l'autonomie, on a très souvent la question sur l'autonomie. C'est vrai que les gens ont toujours peur de se tromper de batterie, de prendre un modèle qui soit trop petit ou trop gros. On a beaucoup utilisé Strava, qui est un système, une application sur téléphone, iPhone et Android, qui permet de voir les performances. Qu'est-ce que vous faites déjà en utilisation? C'est-à-dire que si vous savez que vous faites à peu près une sortie moyenne, c'est 1000 mètres de dénivelé, on utilise 1 ampère-heure pour 100 mètres de dénivelé positif. Donc ça, c'est une moyenne. Donc on a un tableau qui est assez bien fait, qui explique du coup toutes ces différentes consommations, donc comme vous pouvez voir. Donc ce tableau, on a d'un côté tout ce qui est dénivelé possible et taille de batterie. Ça veut dire que en fonction du niveau de la personne, si l'utilisateur pédale beaucoup, on va pouvoir faire plus de kilomètres et plus de dénivelé, sachant que c'est plus le dénivelé qui va conditionner la consommation de la batterie que les kilomètres. Parce que vous comprenez bien que si vous montez à une colline, vous êtes en haut, si vous descendez droit, vous allez faire très peu de kilomètres et vous allez arriver vite en bas. Si vous faites que des diagonales très longues, vous aurez fait exactement le même nombre de dénivelé, mais pour un kilométrage complètement différent. Donc le kilométrage n'est pas forcément révélateur, on regarde beaucoup en dénivelé. Sur du plat, on peut considérer que c'est 4 km pour 1 ampère à peu près. Donc voilà, après, comme toujours, ça dépend vraiment de l'utilisateur. Si on accélère à fond, ça va consommer beaucoup plus que si on accélère très peu finalement. Au niveau du poids de l'utilisateur, on nous dit oui, moi je suis lourd, je fais plus de 100 kg, c'est très souvent qu'on a ça aussi. Le poids de l'utilisateur n'a pas forcément d'incidence sur la consommation de la batterie. Il a une incidence uniquement si l'utilisateur ne pédale pas, parce que là c'est un poids mort. Or, si l'utilisateur pédale, ou pédale correctement, qui pédale pour son poids, on va dire, la différence sera la même avec quelqu'un de très léger. Voire même quelqu'un de très léger pourra consommer plus s'il ne pédale pas que quelqu'un de très lourd qui pédale. Donc voilà, c'est très important, on peut doubler à tripler la consommation d'une personne à l'autre. Donc c'est très personnel, si quelqu'un aime remonter très vite, ou si c'est juste avoir une assistance pour se faire aider dans les côtes, ce ne sera pas pareil, pas la même démarche. Donc quelqu'un qui va vouloir juste se faire assister dans les côtes un petit peu, parce que voilà, il en a besoin à un moment donné, mais sans utiliser le truc comme une moto, là on pourra tabler sur une batterie un petit peu plus petite. Donc c'est toujours très délicat de donner un conseil sur une batterie, parce que voilà, il y a des gens qui vont consommer plus que d'autres. Le choix du vélo aussi a une incidence. Ça veut dire que si on monte la batterie sur un vélo de descente qui a un rendement à la base qui est très mauvais, contrairement à un vélo de cross-country qui a un vélo qui a un très bon rendement, la consommation aussi sera complètement différente, quoi. Le vélo de cross-country consommera moins, ce qui est tout à fait logique.